Malachie, nous retrouvons les enseignements qui nous montrent comment devons-nous aimer Dieu, comment devons-nous aimer nos prochains. Et cette vérité que nous avons dans le Didaké, vous pouvez toutefois l'exploiter dans vos sermons, dans vos églises, sans pour autant dire aux gens que je suis en train de lire Didaké. Ce sont des connaissances que nous sommes appelés à en avoir comme serviteurs de Dieu partant des apôtres. Et quand vous le dites, quand vous allez l'utiliser, je vous conseillerai de dire toujours ce que les apôtres disaient, ce que le Père disait, et ce que les chrétiens de l'Église primitive croyaient. Et pour garder l'orthodoxie de l'Église, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau dont le feuillage ne se flétrit point et qui donne son fruit à sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants qui sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. J'ai envoyé chez CP ce que vous allez recevoir aujourd'hui. C'est presque la majorité du travail que j'ai sur la patristique, que je suis en train. Mais quand nous allons essayer d'aller sur ça, vous allez constater que je vais ajouter d'autres éléments, surtout les écrits des pères apostoliques et autres. Et je vais ajouter beaucoup des écrits pour que nous soyons plus théologiques et que nous ayons la chance aussi de lire ce que le Père ont écrit. Hier, nous avons essayé de parler brièvement de certains des pères. Oh Seigneur, vous savez ce qui s'est passé après avoir enseigné hier la nuit, en rentrant, et tout ce que j'avais comme document était perdu. Yeah. Donc hier, quand j'ai travaillé ici, je suis rentré, arrivé chez moi à la maison, je regarde et il n'y en avait plus rien dans mon ordinateur. Donc je devais chercher à retrouver ces documents. Les documents que j'ai envoyés chez les CP, gloire à Dieu que j'ai envoyé ça chez les CP, j'ai essayé de reprendre ça et de retravailler ça encore pour être prêt ce matin. C'est Saint Basile de Césarée. Il n'est pas de l'Église catholique romaine, il est de l'Église catholique. C'est l'un de nos pères. Il est l'un des pères de l'Église de Cappadoce. Si on appelle Césarée, on l'appelle l'un des pères de l'Église de Cappadoce. OK? À l'Église catholique romaine, on l'appelle Saint Basile. À l'Église orthodoxe, on l'appelle Saint-Basile. Et après, par la plupart de l'Église, après le concile, tous les conciles, on l'a appelé Saint-Basile. Au lieu du 4e siècle, on l'a reconnu comme ça. L'Église, avant la scission, on l'avait reconnu comme ça. La majorité des hommes et des femmes qui ont donné leur vie, qui ont payé de leur vie et qui ont servi le Seigneur avec cœur et dévouement, et on les a appelés saints. Vous voulez être saint?
Vous voulez être saint reconnu par l'Église? Non, nous sommes bien reconnus par le ciel. Ma question est, vous voulez être des saints reconnus par l'Église? Dans votre Église? Dans vos Églises? Vous voulez être saints reconnus par vos Églises? Donnez-vous corps et âme pour eux. Servez-les avec cœur et dévouement. Tantôt, ne prenez pas votre salaire, prenez soin de ses membres. Je vais vous parler aujourd'hui des aumônes. J'ai vu dans le Didaké, on a parlé des aumônes, l'offrande de rachat. La méditation de ce matin que nous allons commencer à analyser, c'est le Didaké chapitre 4. Ça sonne comme le mien. Mon enfant, souviens-toi nuit et jour de celui qui t'a annoncé la parole de Dieu. Tu l'honoreras comme le Seigneur. Que là d'où est annoncée la parole du Seigneur, là où est le Seigneur. Tu chercheras chaque jour la compagnie des saints afin que afin de te trouver un appui dans leurs paroles. Mon enfant, souviens-toi de celui qui t'a annoncé la parole. Les apôtres ont tout dit dans ce verset. Est-ce que j'ai dit quelque chose que vous ne comprenez pas sur ça? Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous sommes en antagonisme avec nos pères spirituels? Parce que là, car là où est annoncée la parole du Seigneur, là est le Seigneur. Tu l'honoreras comme le Seigneur. On ne dit pas qu'il est le Seigneur, mais tu dois l'honorer comme tu honores le Seigneur. Je vais ajouter quelque chose de ces écrits. Nos aînés dans la foi, même ceux qui ne nous ont pas annoncé la parole de Dieu. Mais Dieu a fait de sorte que ces hommes et des femmes soient appelés premiers avant vous. Vous êtes appelés à l'honorer. Si l'Église n'a pas la révérence, l'Église n'existe plus. L'Église doit garder la révérence, le respect des uns des autres. Parce que nous enseignons le respect. Nous enseignons la gloire. La gloire, ce n'est pas le miracle. Le miracle, c'est pour les incrédules. Mais la gloire, la révérence, c'est la manière dont les enfants de Dieu vivent. Bien-aimés, honorez ceux qui vous ont annoncé la parole. Si vous êtes en conflit avec eux, comme j'ai dit aux étudiants de l'autre côté en cours de l'histoire de l'Église, allez vous réconcilier. Je vous ai dit ça aussi. Allez vous réconcilier. Ne me dites pas si. Allez vous réconcilier. Ne me dites pas, je n'ai pas besoin de vos raisons. Allez vous réconcilier. Parce que ces hommes et des femmes, c'est eux qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Réconciliez-vous. Parce que c'est ça ce que le Seigneur attend de nous. Des hommes et des femmes humble. C'est ce que les apôtres enseignaient. Nous sommes obligés de rentrer dans ces enseignements. Je vous donnerai la parole dès que je termine. Donnez-moi le temps de terminer le texte. Tu ne désireras pas la division, mais tu apaiseras ceux qui se disputent. Tu jugeras avec droiture. Tu ne feras pas acception des personnes quand il s'agit de convaincre quelqu'un de transgression. Tu n'auras pas le cœur partagé entre le suite de tes décisions. Que pensez-vous? Parlez-moi un peu. J'aimerais vous écouter. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de cet enseignement? Qu'est-ce que vous pensez de cet enseignement?
Hein? C'est pratique, c'est très profond et c'est interpellant. Ça nous interpelle tous. Ça exige l'unité et ça exige même, on dit, tu ne désireras pas la division, mais tu apaiseras ce qui dominait le cercle ou l'empire. Mais il y a un nouveau mouvement. Dans ce nouveau mouvement, il fallait implémenter ou introduire de nouveaux préceptes, de nouvelles lois. Entre autres, on nous dit, nous n'allons pas nous diviser. Si je sens que je suis humilié, c'est moi qui ai touché. Au nom de l'unité, au nom du Christ, au nom du sang de Jésus, au nom de la puissance et de la présence du Saint-Esprit, et je ne peux pas diviser la maison de mon Père. Et je reste. Je reste. Je reste. Si c'était pour moi, j'allais tout exploser. Mais pour le Christ, je m'assois et je laisse qu'on marche sur moi. Et même si je n'ai rien, mais c'est que le Christ a tout. Toute la gloire. Seigneur, pour moi, c'est la rébellion, la guerre maintenant. Et si c'était M23, moi, je vais faire F25. Mais à cause de ça, à cause de lui, je m'abaisse. J'accepte l'humiliation. J'accepte être mis à quarantaine. J'accepte qu'on marche sur moi. J'accepte la croix. Et si nous le faisons, nous allons garder l'Église une, forte, indivisible. Si nous enseignons, ça ce sont les enseignements, bien-aimés, ça ce sont les enseignements que nous sommes appelés à donner à ceux qui nous suivent, nos disciples. À ceux qui sont engagés dans le ministère, il faut leur enseigner de tels enseignements. Il faut leur révéler ça. Tu jugeras avec droiture. Tu ne feras pas exception de personne. Quand il s'agit de convaincre quelqu'un de transgression, tu n'auras pas le cœur partagé entre les suites de tes décisions. Quand il faut juger quelqu'un, c'est être honnête, juste, n'ayez pas deux opinions, avoir un cœur partagé. Parce que c'est Joe, je l'aime beaucoup. Et quand c'est maman Charlotte, je change d'avis, je deviens très fort contre maman. Et quand c'est Joe, je ferme mes yeux, je trouve que j'ai des excuses à faire. Non, fais pas ça. Dis ce qu'il faut dire. Et juger tout le monde de la même façon. OK? N'ayez pas les mains tendues pour recevoir et fermées pour donner. Si tu as des moyens, tu donneras de tes mains le rachat de tes fils. Au-delà. Tu n'hésiteras pas à donner et tu ne seras pas en donnant même car tu connaîtras quel est bon le rémunérateur qui te récompensera. Vous savez, le rachat de selon tes péchés. Selon ce qui s'interroge, si tu as le moyen, que nous tombons dans ce que nous appelons la métaphysique. Méta, si tu as le moyen, tu donneras de tes mains le rachat de tes péchés. Est-ce que tu as le moyen de payer de tes mains le rachat de tes péchés? Personne n'en a. Ça s'appelle métaphysique. Ils ont dit y a-t-il des questions sur ce chapitre? Capable de le donner. Si tu as oui, le moyen, pasteur. Tu donneras de tes mains le rachat de tes péchés.
tu peux tout donner pour plaire au Seigneur. La Bible nous dit que cela ne peut pas plaire au Seigneur. Notre Dieu ne prend pas plaisir aux offrandes, mais il prend plaisir aux âmes abattues. Quoi? Notre Dieu, pour le péché de l'humanité, pour... nous enseignons, nous tous, nous sommes d'accord avec moi, que nous enseignons mais que nous j'ai déjà répondu à ça. Qu'est-ce que tu dis? Nous puissions nous réconcilier avec Dieu. Donc, en d'autres termes, le Seigneur a payé le prix pour le péché. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut donner l'offrande. Quelle offrande que tu vas donner pour tes péchés? Dis-moi, combien? Ta voiture? Ta maison? Hein? Est-ce que tu vas prendre tes enfants, les donner dans l'autel de Dieu pour tes péchés? Ils sont pécheurs, nés du péché aussi. Nous n'avons que le sang de Jésus. Nous n'avons que le Christ. Mais vous savez, dans l'Église, je vous parlerai des aumônes mais dans quelques minutes. Dans l'Église, l'Église a fait quelque chose de formidable. Quand le christianisme a commencé au premier siècle, vers l'an 36, quand les premières communautés de base ont commencé à se former, la plupart des apôtres et les disciples de ces temps-là, ils ont commencé à acheter des propriétés. Ils ont fait de sorte de construire des grands camps et comme dans d'autres groupes le font, ils vivent tous ensemble. J'ai vu un pasteur au Nigeria qui a acheté toute une cité. Il a conçu une nouvelle cité. Et là, il y a son église, il y a l'hôpital, il y a les écoles, il y a l'université, il y a tout à l'intérieur. Et les avenues sont au nom biblique. Il y a tout à l'intérieur. C'est comme nous allons à Antélé. Nous allons à Antélé, nous achetons 100 hectares ou 200 hectares et nous construisons notre propre cité avec chacun de nous à sa place dans cette cité. Donc, afin que personne parmi nous puisse être pauvre. Mais c'est ce que l'Église devait faire en RDC, mais nous ne le faisons pas. C'est ce que l'Église devait faire. Parce que si nous ne le faisons pas, nous allons avoir des problèmes, nous allons toujours être des gens qui vont murmurer. Nous allons continuer à murmurer, nous allons continuer à insulter les autorités jusqu'à la fin. Mais nous sommes appelés à développer quelque chose d'autre. Voilà ce que je peux vous dire. Et car tu ne... Je m'excuse. Tu n'hésiteras pas à donner et tu ne murmureras pas en donnant. Car tu connaîtras quel est bon rémunérateur qui te récompensera. Bien-aimé, donnez. Ne donnez pas pour impressionner. Donnez toujours. Et donnez et essayez d'aider les gens comme vous l'êtes. Quand je suis allé aux États-Unis, j'ai rencontré un monsieur qui a changé ma vie. C'est un monsieur qui a payé les billets pour que mon épouse et mes enfants puissent venir me rejoindre. Et c'est même mes enfants, mon épouse, n'ont pas eu la chance de voir ce monsieur. Par déconstruire. Il avait un cœur artificiel. Et ce monsieur s'appelait Alcott. Beaucoup. Et j'ai promis à Alcott, je lui ai dit, je l'amènerai en Afrique, même s'il est mort. Et je vais accomplir la promesse. J'ai dit à Al, je t'amènerai en Afrique, même si tu n'es pas là, je t'amènerai avec moi. Et il s'appelait Alcott. Dieu est tenté de rire, il dit, ce pasteur n'est plus baptiste. Il est mort. Il m'a dit, au pire, I'm helping you. Je vais dire ça en anglais, en sa mémoire. Au pire, I'm helping you. When you're gonna be able, help somebody else. And to tell that person to help somebody else, that way, we're gonna make this world a better place to live. Il m'a dit, au pire, je t'aide. Quand tu seras capable, aider une autre personne. Et dites à cette personne d'aider une autre personne aussi. Et de cette façon, que nous ferons de ce monde la meilleure place pour que les gens puissent vivre. C'est notre responsabilité, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Le miracle, c'est notre responsabilité.
L'évangile, c'est notre responsabilité. Aider les pauvres, c'est notre responsabilité. Faire de sorte que les gens trouvent que ce monde, c'est la meilleure place pour eux, c'est notre responsabilité. Et quand nos rues, nos avenues ne sont pas asphaltées, ne sont pas de bonnes conditions, c'est notre responsabilité. Le gouvernement vient après nous parce que nous appartenons à un gouvernement céleste. Et j'ai promis à Al, je l'amènerai. Et je l'ai amené chez vous. Bien-aimés dans le Seigneur, donnez et donnez toujours. Donnez à d'autres. Et tantôt, quand vous donnez à quelqu'un vous dit merci, dit, n'acceptez pas. S'imagine les questions. Ne me dis pas merci. Gardez-le. Quand il sera capable de donner à quelqu'un. Et il s'emploie à trouver des. Ça, c'est le merci. Texte qu'il a. Et c'est ça une nouvelle philosophie, une nouvelle pensée, mode de pensée que je vous apporte. Ce n'est pas venu de moi, c'est venu de Alcott. Ce monsieur, je ne le connais pas longtemps, pas pour longtemps. Je l'ai rencontré en 98 quand je suis allé aux États-Unis et il est mort en 2000. Il est mort le 10. Mon épouse et mes enfants sont arrivés le 14. 4 jours avant que mon épouse et mes enfants arrivent. Et j'ai amené mon épouse et mes enfants pour aller le voir. Et on arrive, sa femme, Betty, qui ouvre la porte et dit, « Oh, Pira, your Al is gone. » Il dit que, « Oh, Pira, ton Al est parti. » Yeah. J'étais à la porte, je pleurais. Et je n'ai pas assisté à son enterrement. Il est mort, il est allé enterrer quelqu'un d'autre, il est décédé là-bas. Bien-aimés dans le Seigneur, les apôtres nous disent, tu n'hésiteras pas à donner, mais relève de l'humain. Et tu ne murmureras pas. Nous sommes pauvres parce que nous avons des mauvais gens. Oubliez que tu as donné. Et si tu ne fais pas ça, tu seras déçu. Si tu ne fais pas ça, si tu n'oublies pas, tu seras déçu. Tu seras déçu. Mon épouse et moi, nous avons l'habitude de donner au-delà de nos moyens. Nous donnons, nous ne calculons même pas qu'est-ce qui va nous rester. Mais tantôt, on avait une mauvaise manière, c'est de croire que ces hommes, ces femmes que nous aidons doivent rester loyales et fidèles à nous. Quand vous pensez à ça, c'est là où devient le problème. Pour la preuve du contraire, nous avons vu ça. Je sais que beaucoup de gens peuvent le dire, témoigner de nous. Nous avons reçu beaucoup de gens. J'ai signé le document pour les politiciens de la RDC viennent aux États-Unis. Je ne cite pas les noms. J'ai vu les politiciens venir des États-Unis pour la toute première fois par ma signature. Ils sont au pouvoir, ils sont dans le gouvernement. Depuis que je suis également là, j'en ai reçu. Je peux les appeler. Ils vont me dire, oh, pasteur, comment ça va? Ça, c'est tout. Bon, je vais t'appeler dès que je suis libre. Surtout qu'aujourd'hui, c'est vendredi, c'est le conseil des ministres. Ils sont là. Ils sont dans le gouvernement. J'ai vu ça. Mais si vous attendez des hommes quelque chose, vous serez déçus. Vous serez déçus. Et n'attendez rien de quelqu'un. Donnez seulement et oubliez. C'est ce que les apôtres nous ont enseigné. Et quand tu fais ça, bien-aimé, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Tu connaîtras quel est le bon rémunérateur qui te récompensera. En d'autres termes, tu vas voir la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu et comment Dieu récompense ce qu'il donne aux pauvres et à d'autres. Ça vient de Dieu. Ça, c'est un enseignement valable et très profond pour nous, l'Église, aujourd'hui. Tu ne te détourneras pas de celui qui est dans le besoin. Mais tu auras tout en commun avec ton frère et tu ne diras pas que cela t'appartient en propre. En effet, si vous participez en commun à ce qui est immortel, combien plus aux choses périssables. Ouh! C'est profond, hein, Joe? C'est difficile aussi, n'est-ce pas? C'est profond et c'est difficile. Tantôt même dans le mariage,
Je vous dis la vérité, j'étais fâché. Quand je suis arrivé, je vais confesser maman. Je confesse auprès de toi, comme tu es maman. J'étais fâché au mariage de ta fille, Awa. Et son mari a fait séparation de biens. Je n'ai même pas voulu aller à la réception. J'étais fâché au-delà. Et j'ai oublié même que j'étais pasteur. J'ai payé mon billet. Et je suis arrivé. Et tu me forçais que j'arrive. Pour que quelqu'un qui te fasse un mariage, la séparation de biens. Je me pose la question, si ma fille va commencer à préparer, tout ce que cet homme-là va être en train de gagner, c'est pour lui seul, et ma fille va gagner rien. Et en plus de ça, ma fille a un papier, il a un papier des États-Unis qui va donner à ce monsieur-là. Et donc le monsieur va recevoir mon papier pour rien, donc ma fille n'aura rien en retour. Bien-aimé, c'est difficile. A accompli ses paroles. Ça, c'est l'explication des enseignements de Christ qui sont restés inexpliqués dans la parole de Dieu, dans les Écritures. Et tout ce que nous trouvons quand nous lisons la Bible, nous trouvons que ce n'est pas expliqué. Les apôtres, les pères apostoliques, ils ont essayé d'expliquer ça. Brillant. Pendant longtemps, cet héritage, nous n'avons pas pénétré ça. Pendant longtemps, le protestantisme a fermé la porte à ses enseignants. À l'école, maman n'a jamais... Mais maintenant que le temps est venu, certains de nous, Dieu nous a appelés à apporter la lumière afin que vous soyez réveillés. Comme vous dites vous-même que vous êtes des églises de réveil. Afin que vous puissiez réellement être réveillés. Voilà ce que je peux vous dire. Tout ce que les catholiques réclamaient, ils ont tenu et nous l'avons jeté. Nous avons dit, nous allons commencer quelque chose. Mais nous allons réclamer seulement le Christ, mais pas l'héritage. Mais l'Église se rend compte de plus en plus, ce n'est pas quelque chose de mauvais de revoir nos décisions. L'âge aussi compte. Si vous allez voir, ça fait à peu près plus de 500 ans. Nous allons vers 600 ans depuis que nous avons eu la réforme. D'où en ce moment, nous sommes appelés à revoir des décisions, des doctrines que nous avions. Si nous sommes de bons théologiens, nous devons nous asseoir et poser des questions. Au lieu de continuer de propager quelque chose, que nous n'avons pas le temps de discuter. Donc j'invite les gens qui ont l'accès au synode, aux réunions des églises, revoyez vos décisions, revoyez vos enseignements. C'est tout ce que je peux dire. Nous ne sommes que des visiteurs. Hein? Le 4 premier chapitre de Didaché nous parle du chemin de la vie. Le 4 premier chapitre, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 et chapitre 4, nous parle de Didaché. Ce que je suis content, vous les avez maintenant entre vos mains. C'est ce que je suis content, que vous les avez. Et je ferai de mon mieux que les CP puissent avoir le recueil. C'est 230 et quelques pages. Le manuel que j'ai formulé sur les extraits de messages, des enseignements, des lettres des pères des églises. Ce sont des choses qu'il ne faut pas lire ça à la chair, s'il vous plaît. Hein? S'il vous plaît, ne lisez pas ça à la chair. Mais ayez ça, vous pouvez lire pour voir qu'est-ce que les autres disaient. Mais voici le chemin de la mort. Avant tout, il est mauvais. Est plein de malédictions, meurtres, adultères, convoitises, impudicité, vol, idolâtrie, pratiques magiques, bénéfices, rapines, faux témoignages, hypocrisie, mauvaise foi, ruse, orgueil,
méchanceté, or arrogance, cupidité, langage obscène, jalousie, présomption, dédain, forfanterie. Qu'est-ce que ça veut dire, Joe? Forfait, donc attachement à ce qui est illicite. Le tribalisme. Le tribalisme. Le clientélisme. Yomo Pao. Si vous avez senti ce que passé Paul a fait, il lit en grec, vous voulez acclamer, dit, ne faites pas ça. Nous sommes nés dans une culture de forfaiterie. Quelqu'un a fait quelque chose. Nous disons à la personne, Yomo Pao. Yo béton. Facilement, nous adorons les hommes. Facilement. Et nous ne savons pas ce que nous apportons dans la vie de cet homme. Même nous-mêmes, le pasteur, après avoir prêché un message, après avoir que vous avez été utilisé par Dieu, mais vous trouvez comme si vous êtes devenu un homme puissant. Ça ne se fait pas chez nous, au milieu de nous. Ça, c'est le chemin des... persécuteurs des bons, gens haïssant la vérité, aimant les mensonges, ne connaissant pas la récompense de la justice, qui ne s'attache pas au bien ni au jugement juste, qui veille non pour le bien, mais pour le mal. Chemin de la mort. C'est très profond. Ce sont des choses que nous ne prêtons pas attention. Nous ne trouvons pas ça dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas les 10 commandements. Vous savez, les chrétiens, ils ont pris ça en considération, ce qui a fait d'eux un groupe de gens différents des autres. Laissez-moi avancer. Qui sont loin de la bonté et de la patience, qui aiment les vanités, qui courent après la rétribution, qui n'ont pas pitié du pauvre, qui n'ont pas compassion de l'être accablé. Celui qui ne connaît, ce n'est pas celui qui les a créés. Les meurtriers d'enfants, les corrupteurs de l'œuvre de Dieu, ceux qui se détournent de celui qui est dans les besoins, qui accable celui qui est dans la tribulation, les avocats des riches, les juges des iniques, des pauvres, coupables de tous les péchés. Enfin, fuyez ces gens-là. Chemin de la mort. Si vous lisez ça, est-ce que nous ne marchons pas dans le chemin de la mort? Oui. Nous marchons dans le chemin de la mort en étant dans la vérité. Faisons-en très attention. Regardez un peu l'autre, chapitre 6. Veillez à ce que personne ne te détourne du chemin de ces enseignements, car il t'enseignerait ce qui est en dehors de Dieu. Si donc tu peux porter le joug du Seigneur tout entier, tu seras parfait. Mais si tu ne le peux pas, tu seras. Fais ce que tu peux. Quant aux aliments, portez ce que tu pourras. Mais abstiens-toi strictement de ce qui a été sacrifié aux idoles, car c'est un culte rendu à des dieux morts. Je vous invite à analyser ce que nous venons de lire. Qu'est-ce que vous pensez?
Discutons un peu. Nous sommes presque vers la fin. Discutons un peu. Discutons. Donc, ça, c'était 5 et 6. Le chapitre 7 et 8, ça, qui vient après ça. Vas-y. Apparemment, selon votre observation, vous avez dit que les 4 premiers chapitres de Colossiens parlent du chemin de la vie. Mm-hmm. Nous avons remarqué donc, ce que l'on doit faire pour avoir la vie. Pour marcher dans la vérité. Marcher dans la vérité. Et c'est comme si le chapitre 6e parle aussi de ce que l'on doit faire. Non, le chapitre 6, bon, c'est, nous parle du chemin de la vie, et puis on donne le conseil, à peu près c'est comme, à peu près c'est la conclusion de ce que nous, après. Parce que vous allez remarquer, le chemin de la mort, on ne parle pas de ça beaucoup. On a tout rassemblé au chapitre 5. Et quand on arrive au chapitre 6, on parle un peu de la conclusion, ce que vous devez faire. Et vous allez remarquer dans les écrits des apôtres et dans les écrits des pères de l'Église, comme je vous dis toujours, et ils essayent de mettre l'accent sur ce qui est bon. Vraiment, ils essayent de mettre l'accent sur ce qui est bon. OK? Quelqu'un d'autre, y a-t-il une préoccupation pour le pasteur? Vous n'avez pas parlé depuis que je suis là. J'allais même plus venir au cours à cause de vous. Merci. C'est pourquoi nous sommes en train de remettre ça entre vos mains. C'est vraiment, ce sont des richesses. Des richesses de l'Église que nous sommes obligés de remettre entre vos mains afin que vous sachiez que, à part la parole de Dieu comme serviteur de Dieu, nous avons d'autres instruments que nos pères nous ont légués qui nous permet, nous, en tant qu'enfants de Dieu, à continuer l'œuvre proprement. Je ne sais pas, ça ressemble au genre d'enseignement que soit vous avez, les moines et tout ça. Parce que même leur attitude, c'est fait fort par ce que je vois là, dans les écrits. Et ça vous ressemble aussi à vous aussi. À... Non, c'est ce que nous manquons, c'est ce que nous voulons amener. Et je vous dis la vérité, bien-aimé. L'une des missions que j'ai, de remettre ma robe. Ma robe d'ordination, je l'ai remis déjà. Et d'être sûr que les jeunes pasteurs comme vous, vous allez bien servir Dieu. Et vous allez les servir avec dévouement. Je suis fier que vous faites partie de ma communauté. Je suis fier de vous aussi. Je suis fier de tout le monde. Et je suis fier que vous faites partie de ma communauté et que vous avez pris la résolution de se retrouver ici. Nous n'avons pas l'accès dans la communauté pour apporter ce que nous pensons nous pouvons apporter. Nous n'avons pas encore l'accès. Mais vous avez ce que nous avons. Parce que nous vous le remettons ce que nous possédons. Et ce que nous vous le remettons quand vous avez l'opportunité d'apporter à d'autres. Afin que les hommes connaissent la vérité et marchent dans la vérité. C'est ça notre plus grand souci. Et je crois que c'est le même souci qui anime Maman Charlotte, qui anime Papa Paul. Nous n'avons pas quitté les États-Unis pour venir vous faire voir que nous venons des États-Unis. Mais nous avons quitté parce que nous avons un souci. Nous voulons voir des hommes et des femmes qui sont en train de servir Dieu plus que nous, parce que vous en avez l'opportunité. Non, ce n'est pas ça. Je viens, j'arrive, je pars. Et j'ai l'audience... de la tête jusqu'à tous les responsables, les chefs de district, que tout le monde me respecte, comme Pasteur Paul aussi, me respecte, laissez-moi parler de moi. Je suis bien voulu. Tantôt, on pose la question, où est-ce qu'on peut le placer? C'est ça la grande question. Où est-ce qu'on va le placer? Où est-ce qu'on peut le placer?
Il y a l'autre face de moi que je ne peux pas voir. Je suis bien entraîné pour diriger les écoles. Je suis bien entraîné et je suis bien formé, bien rodé pour diriger les écoles, les institutions. Les écoles surtout. Et on quitte ici, nous allons ailleurs dans le cercle des écoles privées, telles que vous allez chez Lupion, vous allez chez Samuel Lévy, des écoles à Gombela. Si nous entrons ensemble, tu verras que je ne suis pas le professeur que vous acceptez ici. Vous allez voir que je suis accueilli là-bas comme étant un chevronné, un connaisseur du système éducatif. Je suis vraiment rodé. Je suis vraiment rodé. Et si vous me posez la question, qu'est-ce que tu veux devenir? Je m'excuse. Je l'ai dit à la télé. Quand on me pose la question, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais prendre l'éducation et remplacer le ministre qui est là. Je suis habité par l'esprit de Pérequois qui a fait l'enseignement catholique. Et j'aimerais faire la même chose pour l'éducation, pour les écoles protestantes. Donc, c'est ce que je peux dire, quoi. Que ce soit le coordinateur national des écoles protestantes, que ce soit le coordinateur de la communauté, de la CBFC. Et tout ce monde, quand il me voit, il me reçoit avec révérence, avec respect. Parce que je suis bien traîné et bien formé pour ça. Et j'ai écrit beaucoup sur ça aussi. J'ai travaillé là-dessus. Hein? Pendant 7 ans, pendant je crois 4 ans, 7 ans, j'étais en RDC et j'ai travaillé comme directeur pour l'Afrique centrale des écoles chrétiennes. Donc, je peux aller au Congo-Brazza. Au Congo-Brazza, j'ai l'audience dans la plus grande église là-bas, qu'on appelle l'église évangélique du Congo. Au Gabon, j'ai la même audience. Le cours que je vous enseigne ici, si je n'ai pas enlevé ça vers la fin, vous allez voir que j'ai parlé des étudiants qui sont mes étudiants au Gabon en maîtrise. J'enseigne ce cours, j'ai enseigné ça 3 ans durant au Gabon que je suis en train de reformuler pour vous parler de ça ici. Donc, j'enseigne au Gabon, premièrement. J'aimerais bien servir ma communauté dans n'importe quelle capacité. Hein? J'aimerais bien, n'importe quelle capacité. Et je suis disponible. Si la communauté m'appellerait, je partirai. S'ils ne vont pas m'appeler, avec l'esprit de mes pères, l'esprit de Papa Ngouta, Papa Biola et consort, Papa Biola me disait, ce qui m'a pécioté, c'est là. Et j'attendrai toujours. Et quand l'Église va m'appeler, et je serai prêt. Et si l'Église ne m'appelle pas, et je ne ferai ni la rébellion, ni quoi que ce soit, ni diviser l'Église, et je vais attendre. Mais je ne vais pas attendre. Et je dois continuer à faire l'œuvre, c'est pourquoi je m'engage. Je fais l'œuvre. Et je n'arrête pas. Et je vais implanter les églises comme je veux aussi. Mais pas à Kinshasa, parce que la CBFC est là. Et à Kinshasa, j'attends la CBFC. Les amis m'ont dit, pourquoi tu n'implantes pas l'église à Kinshasa? J'ai dit, je n'implanterai pas l'église à Kinshasa. Je dois attendre l'ordre. Si l'église me dit implanter, j'irai. Si l'église ne me dit pas, je ne le ferai pas. Parce que si je le fais, on va dire que je me suis rebellé. Non, il n'y en a pas. Nous avons de paroisses. Il n'y a pas la CBFC, mais nous avons de paroisses. Nous avons de paroisses. Et j'aimerais bien faire partie de ces paroisses données à la CBFC. J'aimerais bien le faire. Mais je travaille là-bas. Nous travaillons avec des réformés. Non, il y a les enseignements. Retenez ceci. Comme théologien, il y a des enseignements comme des livres qui ne sont pas retenus dans le canon, qui ne sont pas dit que nous ne sommes pas appelés à les lire. Nous pouvons les lire. Nous pouvons les connaître. La beauté du cours du patristique nous ramène les personnes et aussi nous ramène les écrits des pères. Et ces éléments
vient en quelque sorte nous donner la raison pour laquelle nous pouvons croire de plus en Christ. Et quand je vous parlerai des pères, surtout d'autres pères qui se sont sacrifiés pour l'Évangile, mes bien-aimés, vous allez sentir que la beauté de la foi chrétienne, être prêt à mourir pour l'Évangile. Être prêt. Et vous savez, le chrétien de plusieurs siècles, il cherchait à être martyr. Il cherchait. Donc, je dois prêcher l'Évangile, même si on va me tuer, je m'expose. Et il y a d'autres qui sont morts à cause de ça aussi. Il y a Pasteur Sita qui viendra avec vous dans les après-midi. Il a un livre, il est le responsable du ministère l'Église des Martyrs de à l'Est, au monde. Richard Rumba. Et ça, Umbra. Et il y a une histoire dans les anciens journaux de cette histoire. C'était à Tundra. Et on était en train de tuer des chrétiens. Et les soldats qui étaient là, ils étaient entrés. Il y a l'un de Dieu dans sa grâce et dans son omnipotence. Il a ouvert les yeux de ces soldats pour voir ce qui s'est passé. On amène quelques chrétiens, ils étaient 10. On amène quelqu'un, on vous pose la question, tu crois en Jésus-Christ? Oui. Est-ce que tu es prêt à mourir? Oui. On te met dans le trou glacé. Quand on te met, tu entres, tu vas mourir. Mais Dieu a ouvert les yeux d'un soldat. Quand les gens entraient, et ce soldat voyait que ces gens-là sortaient avec une couronne et ils montaient. Et les frères qu'on mettait là, personne ne voyait ça. Mais un païen, un athée, c'est lui que Dieu a ouvert les yeux pour voir le miracle. Et le frère entrait et sortait de l'autre côté dans la gloire. Ils entraient, ils sortaient. 9 sont entrés. Le 10e arrive et dit, moi, je renonce à ma foi. Je ne vais pas mourir, je ne pense pas que c'est le temps pour moi de mourir. Et le soldat qui a vu toutes ces scènes-là, il dit, moi je suis prêt et je crois en Jésus. Avec son arme, il dépose, il dit, moi je crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur et je suis prêt à mourir pour lui. Mettez-moi là. Il a jugé bon de mourir, de prendre la couronne au lieu de rester dans ce monde. C'est pourquoi, frères et sœurs, même si les sorciers enlèvent votre vie, nous avons la gloire de Dieu en nous. Même si on me tue par arme, mais j'ai la gloire de Dieu en moi. La mort, ce n'est pas la fin de mon histoire. Que Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, ouvre nos yeux afin que nous puissions voir ce que nos yeux ne peut pas voir. Amen.